Salut! Aujourd'hui, un mini tuto pour faire une robe que portait Lady Gaga lors de la promo du film House of Gucci. Pour cela, tu as besoin de 3 mètres de mousseline. Tu plies en deux dans la longueur, puis dans la largeur. Dans l'angle, tu crées une encolure, puis une manche évasée, kimono, la plus dramatique possible. Le principe d'avoir plié en deux avant de découper pour obtenir une symétrie parfaite, bah c'est ce que j'essaie de vous montrer là. Ensuite, ça va être le moment de coudre les parties les unes avec les autres, puis de constater qu'on dirait une robe de gospel. Faut que je refasse les manches. Si j'ouvre pour laisser apparaître le bras, ça peut moins faire la chorale de gospel. Oui, on va faire ça, oui. Ça a l'air bien mieux. Pour faire l'effet drapé, j'ai utilisé la technique de la créole, c'est-à-dire que tu noues une créole sur l'envers de la tenue et ça crée un petit drapé facile. Et voilà! Allez, ciao et abonne-toi pour plus de vidéos!